Soleil, mer, sable et frissons liés au sport nautique. Ici à Diana Beach, au sud de Mombasa, des passionnés exploitent la puissance des vents et des vagues pour s'adonner à leur sport favori. À Diana Water Sports, les débutants et les plus expérimentés peuvent pratiquer de nombreuses disciplines comme le kitesurf, la planche à voile, le paddle ou encore le bodyboard. Même si la majorité des pratiquants viennent de l'étranger, la présence des locaux est de plus en plus forte. Notre plus grande clientèle est européenne, bien que les Africains commencent lentement mais sûrement à venir. Mais principalement, ce sont des Européens. Nous avons d'autres clients qui viennent juste comme ça. Et quand ils voient d'autres personnes pratiquer ces sports, ils sont intéressés et viennent chez nous. Nous leur enseignons principalement les bases sur le kitesurf, c'est 6 heures de cours donc. Quand ils ont fait 6 heures, ils peuvent se débrouiller et ensuite il faut continuer à pratiquer jusqu'à ce que vous deveniez meilleur. Comme vous le savez, quand on pratique, on se perfectionne toujours. Les activités varient en fonction du temps. La saison du kitesurf débute à la fin de décembre et se termine en avril, puis elle recommence à la mi-juin jusqu'à août. La planche à voile, le kayak et le stand-up paddle sont eux possibles toute l'année. Je dirais que comme tous les autres sports, le football, la course à pied, les sports nordiques sont aussi fun. Pour les enfants, ça les occupe et leur offre une passion et ensuite, c'est agréable pour toute la famille. Toute la famille peut pratiquer, le père, la mère, les enfants. Et encore une fois, si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. Donc je conseillerais aux gens de franchir le pas et d'essayer. Et puis, c'est aussi une addiction. Quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. Avec un temps idéal, des conditions favorables et de l'équipement déjà prêt, on comprend pourquoi ils sont si nombreux à vouloir revenir. La première fois que je suis venu ici, c'était en 1996 pour un tour à vélo et depuis chaque année, je reviens pour une paire de mois. C'est mon deuxième chez moi ici. Il va sans dire que les sports nautiques, un peu comme la marée ici, sont en hausse et qu'ils ne montrent aucun signe de retrait.